Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons pour la troisième fois, pour ceux qui suivent depuis le début, pour ce playthrough de Dark Souls 3 sur PC à la manette avec un ordinateur qui est un peu à genoux parce que enfin, ce jeu est un peu gros pour mon vieux PC, enfin mon PC qui se fait doucement un petit peu vieux. Pour ceux qui se poseraient la question, je suis au spec minimum sur le jeu, donc graphisme aux mines. Tout au minimum, néanmoins tout de même en 1080p. Sur un ordinateur qui est le mien, qui est donc avec un vieux i5 monocore 3,2 GHz, une carte graphique 7 GTI 750 Ti. Donc voilà, j'ai les 8 Go de RAM, mais c'est à peu près le seul truc qui reste encore tout à fait potable sur le build. Le reste de l'ordi commence à doucement se faire un peu vieillot. Mais le jeu tourne quand même. Je joue entre 35 et 50 FPS en moyenne. Donc le jeu tourne. Juste que la fluidité n'est pas incroyable. Mais ça marche. Donc on va pas s'en plaindre. Donc à la fin de l'épisode 2, on avait récupéré chez André la bonne vieille hallebarde des familles. Plus son chétan chevalier. Ok, bon, c'est pas là, tant mieux. Et on va tenter d'avancer un peu plus que la dernière fois. Même malgré l'augmentation légère d'attaque sur l'hallebarde, on one-shot pas encore. Bon, d'un autre côté, faut pas non plus trop en demander, je pense. Ok. On a commencé un petit peu doucement à avancer, mais on n'avait pas encore rencontré de boss. Non plus, ne one shot pas. Ah. J'ai vraiment du mal avec la portée des armes longues pour l'instant, je surestime vraiment, ou alors elles ont vraiment baissé par rapport à de l'un. Pourquoi j'étais ça comme ça? C'est quand même plus comment dire, confortable. Donc c'est lequel, le salopard qui se transforme à chaque fois? Parce qu'on m'a dit essayer embuscade. Il me semble que c'est celui-ci. D'accord, peu. A priori quand même le one-shot avant qu'il nous défonce. En fait maintenant que j'y réfléchis, j'ai pas à le combattre, je veux juste avancer moi. La reward quand tu le bats est pas plus intéressante par rapport au risque de le combattre. Passer la première fois. Super lock. Ah putain. Je suis trop loin. Ouah. J'aimerais bien explorer en bas, mais j'aimerais aller en explorer en bas, au bout d'un moment ça finira bien par avoir un stop. Parce qu'a priori j'ai trouvé quand même le bon chemin. En espérant que tous ces trucs-là ne se relèvent pas. Lui manque la tête, a priori ça va être dur. Est-ce qu'il manque vraiment la tête? C'est la fête les mecs! D'accord, c'est des armures vides. Lui aussi ou... A priori lui aussi. Putain, elle est classe cette épée, la vache. Ok, très bien. Testons. Reste dans le feu, c'était bien. Ça me fait penser au... Oh, waouh! Oh, la dose qui me met.
Viens marcher dans le feu, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Sinon, je voudrais popoter. Ça se backstab, très bien. C'est un miracle ça? Ouais, ça y est, ça ressemble beaucoup. Ah, c'est parce que j'ai tourbillol, alors tu veux montrer que tu sais tourbillol aussi, c'est ça? J'aimerais bien remonter par contre. Ah, toi, The Balady! Ok, ok, ok. Ça sent le durée foireux. Temps de rouler arrière. Ok, c'est chaud, mais c'est ton baf. Faut juste faire un minimum gaffe, quoi. Très bien. Voilà, le bar c'est cool, mais c'est quand même assez lent et. Merde, est-ce que j'ai de quoi prendre ces trucs-là? Il faut combien? Il faut 14 en fois. J'ai. Ah oui, j'ai 9. Oui, bon, 5 level up. Voilà, 5 levels qui me permettent d'avoir un heal d'appoint, c'est quand même worse, quoi. C'est quand même rentable. C'est là, exactement là, que j'aimerais bien avoir mon miracle de soin. Chaque fois, je t'oublie, toi. Hein. Moi aussi, je t'ai oublié cette fois-ci. Bah, l'albarde est bien, mais pour l'instant, tant que j'ai pas vraiment beaucoup plus d'endu, c'est quand même plus intéressant de rester à l'épée courte. Donc essayons de voir si on peut le défoncer avant qu'il se transforme. On peut. Ah ah. En profitant de la situation surélevée pour voir où ça peut mener ce truc. Ah putain, mais il y a des hommes qui sont en bas, quoi. Oh, j'avais rien en vrai. Ça a l'air de mener à pas mal de conneries. On va essayer de finir d'explorer le secteur où on est avant. T'es sérieux là? Putain, vieux mec. Prends pas me tirer le salopard. Hein. T'as la gâchette rapide, hein? Il m'a suivi, je le crois pas, quoi. Non, il m'a pas suivi, il est juste toujours au même endroit. Ils sont vraiment pète de couilles, ces arbalétriers en chaîne là. Donc par là, qu'est-ce qu'ici y a? Ah oui, il y a la zone avec les tous les fouteurs de merde. J'aime bien le lock qui ne s'active pas. Ceci est ma douce vengeance, fils de pute. Il n'y a rien d'autre dedans. Crédibilité des flèches que j'avais dans la gueule, quoi. A priori, il y avait un salopard lanceur de bombes là-bas.
prendre les devants et le défoncer cette fois. Je crois que c'était celui-ci. Une patate à faire sur un mec. Okay, oui, non. Bon, j'aime pas ce bruit. Je crois que c'est au travers du mur, c'est de l'autre côté du mur sur notre zone qui est techniquement collée à celle-ci. Du moins, je pense. Il y avait un chien, lui, par contre, on va le tomber au couteau de lancer. Ouais, ou peut-être pas en fait. Putain, la vache, les couteaux de lancer, faut pas être pressé hein, pour buter les gens avec. Hein. Toi, viens par là. Ouais, ça sert vraiment qu'à poule quoi. Je suis aussi en faire des attaques sautées. You like this? Ouais, ok, par contre, mon endurance n'aime pas. Un petit truc quand même vite fait. Ok. Pas moyen dans le cas? Non. Ok. Viens! Comment? Comment? C'est le counter! J'ai plus rendu. Oh. Ok. Ça a de la gueule comme coin quand même. Allez, viens là toi, avec ta hache là. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. On va pas réessayer une troisième fois. Putain! Lâche l'affaire! Ah, j'ai raté le boss. Ah non, ça s'appuie par contre. That is not a good idea! Heureusement que des chasses suffisent à counter ces bestiaux. Ah, trop tôt, beaucoup trop tôt la roulade. Putain, mais le bruit que j'entends, mais il a l'air juste d'être pas loin quoi, mais. D'accord, j'ai l'impression que c'est juste un autre passage pour descendre sur la place en fait. Ce qui est un petit côté un peu irritant du coup, parce que ça fait faire un grand tour. Clé de cellule, ah! 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 On va du coup retourner libérer l'autre truc en espérant donc que ce soit bel et bien un marchand qui vend des trucs intéressants. On va le retrouver accessoirement. Ah, on dirait que j'ai laissé passer un loot tout à l'heure. Ah, super. Allez, faut le retrouver du coup. Mais du coup, vu qu'a priori ça met sur la place, je comprends mieux d'où vient le bruit de trucs ultra lourds. De pas super lourds. J'entends des putains de bruits de pas. Toi, avec toi, viens là. C'était par là ou c'était par là? Non, là c'était fermé, je crois. Avec attention, ennemi droit de tableau devant. C'est ça, c'est fermé. Pour l'instant.
Attention avec ces bombes là, c'est dangereux hein. Ça attend de me backstab en plus. Vas-y, enfin, t'es mort. Alors la prison c'était là je crois. T'intéresses à être agréable toi. Ah. You're no jailer, are you? No, I'm not. No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. The bell. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Hmm? Ok, ça ressemble donc à une bonne vieille quête secondaire de famille. Well, I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Ça va me faire mal au cul de le lâcher celui-ci. Ah, les bonnes vieilles larmes bleues. Ah, c'est de l'absorption de dégâts maintenant, c'est plus juste de la défense. Très bien. Quoique c'est peut-être remarquable, peut-être cela dit la même chose en fait. Hein, mais... Fort bien. Fort bien, fort bien. Bon, il n'y a plus qu'à trouver du coup le camp en question. Ah, c'est une fiole, apparemment tout le truc à faire. On va aller régène vite fait. Ça va reset les mobs, mais tant pis, c'est pas bien grave. Pas par là. Et effectivement, l'XP ne monte pas vite. J'espérais qu'il lancerait pas de couteau si je le chopais d'assez près, mais bon, apparemment si. Ah, on peut pas les refaire tomber comme avant. Oh, oh! Eh, on se calme là! Lui, il est monté. Écoute, why not? La question est, est-ce que je peux le contourner l'autre enfoiré là-haut si je me contente simplement de l'ignorer? Apparently not. Bien qu'il ne a pas l'air de se transformer, enfin le parasite n'a pas l'air de prendre le contrôle s'il est trop loin. Ah putain, ça fait très beau ça. Eh, c'est bon, on se calme. Putain. C'est ton frère, il va me tuer.
Quand ils veulent, ils sont chiants, ces salopards. Hein. Bon, génial, j'en suis réduit à, effectivement, une fiole d'astuce à nouveau. Sauf que là, j'ai pas encore passé toute cette merde. Sauf qu'en fait, j'ai pas à le faire si c'est pour arriver dans la place. Pourquoi donc je me ferais chier ici, en fait? Pourquoi je vais venir me faire défoncer alors qu'en fait, du coup, j'aurais a priori pu passer par là-bas? Rapière. Bon ça. Jamais mis la rapière, mais c'était cool. Oui, moi j'explore pendant que toi tu fais son petit tour. Hein. Son petit manège. D'accord, en fait la cave, j'ai l'impression que ça nous amène ici. Très bien. Ok, round 2. Puisque ça peut se backstab, backstabons. Ah! Il se laisse plus avoir aussi facilement que dans le 1. Ce petit truc. C'est un peu vénère quand même, hein, mais. Ça lui fait zéro dégâts quoi. Voilà, merci, merci, s'il te plaît. J'avais pas confiance du tout là. Oh mec, le tourbillol il m'a tellement défoncé. Oh. On va avancer très prudemment. Vraiment très prudemment, des fois qu'il y a un genre un feu de camp derrière. Ça a pas l'air. Non, on se casse, on se casse. Et puis j'ai des dégâts de feu, j'ai même pas envie de prendre le risque quoi. En fait, je suis tellement en train de flipper ma mère que je vais faire vraiment faire ma pussy et claquer un os de retour. Oh putain, ça fait bœuf par le tourbillon quoi. Bon, après, je me suis aussi fait pourrir trois fioles d'essuie comme une grosse merde par le lancier, le chevalier lancier. Ben, ça devrait normalement aller mieux. D'où il me touche? Excusez-moi, je crie au vol.
Allez, à plus. Ah, mais il y a un loot en dessous. Je reviens tout de suite. Là, on cause. C'est mauvais, c'est mauvais. Allez, une shell pour rien. Attends, j'entends les bruits de spaz. Il arrive pop ? C'est un mob ce truc ? Ah d'accord. Ok, très bien. Je t'avoue que j'ai bien envie d'avancer un peu, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas un feu dans le coin. Hop. On va passer en ninja, on reviendra alors le shooter après. Hein. Ok, 0%. Je blaguais. Ok, j'ai voulu faire le malin et lui mettre une drop attack et ça n'a absolument pas marché du tout. Ah si, ça marche. Ah, le dernier. Right in your ass. Ok! Les dégâts sont réels! Ok, plus de shell dessus. Ce truc est vraiment chiant. J'ai mis le coup comme un gros con. Seul, priorité à l'air tout seul, non, j'ai entendu mon poche. Là on arrive à des jardins. Alors plutôt classe, j'ai absolument pas la moindre putain d'idée d'où je suis. Faux mur ça? Attends, il y a des bonnes évaluations alors que c'est un faux mur? Alors que c'est une fausse évaluation, ok. Bah non. D'accord, ils disent pas si c'est une bonne ou une mauvaise, ok, d'accord. Deux chemins, ok, super. Ok, des chevaliers rouges. Une grande porte là-bas. Ça ressemble à une boss room, hein. Parce que le risque qu'on va voir par là-bas s'il n'y a pas genre juste un loot ou un feu ou derrière ça. Même si proportionnellement le dernier feu est pas si loin que ça, hein, mais. Attention, embuscade. Ok, allons voir d'abord ce qu'il y avait là-haut. Nice. Anneau sacrificiel. Je sais plus ce qu'il fait celui-là. Ah oui, d'accord. Une seule utilisation. Bah, dégâts de chute étant obligé, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y avait quoi d'autre ici? Ok, pas grand chose. C'est tout. C'est vraiment juste un petit coin de loot. Très bien. Viens voir l'embuscade. J'ai vraiment pu tirer dessus, c'est vraiment la mort quoi.
Ah, j'adore le lock qui disparaît, super. Ouais, c'est ce que ça enlève. Ah oui, ils sont 4, les salopards! Un kite efficace. Je suis vraiment raide là, hein. Putain. Je pense qu'il va falloir que je fasse demi-tour et que j'essaie de revenir avec en faisant un meilleur score quoi, mais. Un ascenseur. Hein. Non! Ce truc qui démarre tout seul, puis quoi encore? Ça me monte, on va quand même. Ah, c'est dangereux, mais on va y aller. Ah d'accord, on est revenu près du feu. Ah d'accord, c'est bien, j'ai unlock un raccourci qui va être vraiment vraiment cool. Y'a plus qu'à ne pas mourir bêtement. Il va pas falloir crever avant d'être remonté, hein. Ça c'est d'accord, ouais. C'est le premier feu de la zone, très bien. Ah putain d'enculé. Allez viens le chien, on va essayer de les kite un peu. C'est un forêt qui peut nous tirer dessus de là-haut. Allez vous me voyez là. J'ai rien de gratter quoi, des PV à chaque fois. Concentration est à son comble. J'aimerais que tu lock, s'il te plaît, merci. Ok. Rechon. Bon, on va pas prendre de risques, honnêtement. Il y a un moment, faut savoir faire sa pucelle, quoi. Ok. Bon, maintenant j'ai mon raccourci, effectivement. Bon, j'ai bien fait de prendre le risque. C'était worth it. Oh, vous avez tous pris tellement la dose!
En fait, j'ai 4400 âmes, j'aurais peut-être dû faire un bac. Bon, quoi faire, passons. J'aurais pris quoi, un level up? Ça m'aurait pas des masses avancées. Sérieux, toi? Explorons donc les jardins! C'est les pèlerins ça? Ah, ça ressemble aux pèlerins qu'il y a dans la cinématique. Oh, c'est classe, putain, c'est classe. Allez, commençons par toi. Cet endroit me semble être une bonne arène. Ah, d'accord, mais en fait, c'est le même que tout à l'heure en fait. Ah, sauf que maintenant ils sont deux! Which is not good! Ah, sa mère! On va passer à la hallebarde, c'est dangereux, mais. Oh putain la vache il m'a mis cher. Ah putain je suis en fatroll. What the fuck. Pourquoi je suis en fatroll là? Ah ça par contre c'est la mort. Pourquoi je suis en fatrol? Tout à l'heure je l'étais pas. C'est ça, super. Autant virer l'anneau de vie, hein, pour 40 HP. Hein. Je préfère largement avoir la défense améliorée en étant low life. Oh putain la vache! M'a surpris. Pourquoi je suis repassé en fatrol? Oh non, me dis pas qu'il me manque genre un point en vigueur quoi. Oh putain. D'accord, en gros l'anneau de pierre, l'arme bleue en fait me faire passer en fatrol de genre 0,5 kg quoi, une connerie comme ça à tous les coups. Ah putain, non, en fait, il est méga lourd. Ah non. Ah non, d'accord, non, c'est... Ouais, non, c'est ça, c'est... 39,1, ça passe. C'est ça, bah tant pis pour la hallebarde. Testons un peu la rapière pour voir. Ouais, c'est bien ce qu'ils sont là. Bon, on va essayer vite fait, hein, on va voir ce que ça donne. Ah, il me faut 3 coups pour les mobs de base, ça c'est chiant. Ah oui, c'est vrai que la rapière ça peut attaquer depuis derrière les shields. Comme les lances. Détestable bête. Ah! Même le coup lourd a pas suffi. Bah non, ça fait vraiment pas de dégâts, quoi. On va quand même essayer, mais ça fait vraiment zéro damage, quoi. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Ne faisons pas l'erreur de débutant en nous cassant la gueule.
Ça, c'est stylé, vraiment. Ouf. Comme agréable à jouer, j'ai l'impression que les bots qu'il a, les bots qui crament du mana avec elles sont plutôt sympas. Donc ça c'était la première, et la deuxième c'est quoi? Oh, nice. Donc la violence de ces trucs là en counter c'est toujours aussi incroyable. D'accord, il y en a vraiment deux quoi. Allez viens. Viens. Je voudrais que ton pote se ramène. Vous êtes bien assez chiant géré comme ça, hein, tout seul. J'ai dit que tu viens. Tu viens sinon je te lance d'autres poignards. Merci. Genre, please. Oh, je l'ai pas touché. Putain, mais... Laisse pas faire ces fils de putain. Putain, les lanciers, ils sont vraiment horribles, hein. Ah putain, je me suis... J'ai arrêté de courir beaucoup trop tard. Ah, oh, please. Moi, ils sont un peu plus agressifs que leurs comparses en haut. Pourquoi mon bouclier a disparu? Ok, super, merci. Non! Putain! Ah, mais putain, mais ils sont super chauds ces bâtards! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est. Waouh! Faut vraiment arrêter de fit comme des bâtards. Allez, viens le chien. J'ai encore pris un coup pour rien juste parce que j'ai pas su gérer ma putain de stamina. Allez, concentre-nous un peu. Concentration requise pour jouer à ce jeu est nuisible pour mon cerveau. Qui tombe.
C'est bon, c'est tout? Ok. Donc l'arbre est trié ici. Ok. On va pas s'encombrer l'inventaire avec des trucs dont on n'a plus de munitions. Deux couteaux de lancer pour poule. On va en faire avec. Lock, s'il te plaît, merci, j'apprécie. Allez, viens, viens. Comment? Tu te fous de ma gueule là? Voilà, j'aime mieux ça. J'ai quand même pris le coup. J'ai fait une... Et là, mon coup n'est pas parti. Ah, j'avais plus d'endurance. Putain. Oh, le seum. Si, frappe, frappe, frappe. Putain, laisse tomber, ils sont trop chauds. Mais ah, arrête avec ton bouclier, tu me saoules. Qui sont chiants ceux-là. Ouais, prochain level up, je prends de la stamina à donf. Là, on va être un peu ballsy, on va claquer une braise pour régénérer des HP et en avoir surtout plus en HP max. Parce que je. J'ai plus que deux fioles d'estus. Trop court. D'accord, il a trop de balance par rapport. Oh! Putain, mais c'est quoi, il me chope l'init, quoi? Putain! T'as le seum. Ah, par contre, moi j'ai plus de l'estus, quoi. Eh, mais ils me mettent tellement dans le mal ces deux-là, quoi. J'ai bien. Oh, j'espérais trouver un feu pas loin, mais non, parce que j'ai débloqué un raccourci qui fait qu'il y a un feu pas loin, quoi. Pourquoi, mais ces deux-là, juste ces deux fils de pute, me mettent aussi cher, quoi. Je suis obligé d'aller régénérer, là, j'ai pas envie d'avoir cramé une braise pour rien, quoi. D'ailleurs, il me semble avoir jeté un fragment d'estus, ça va peut-être m'améliorer mes fioles. Je sais plus si ça va me les améliorer ou m'en donner une de plus. Dans les deux cas, faut que j'aille. Que j'aille en profiter. What the fuck? What the fuck? Mais tu t'es avancé, toi? T'as le. Ok, d'accord, d'accord. En fait, il avance, un coup sur deux, très bien. La dernière fois que je l'ai vu. La première fois que j'ai vu, il restait debout. Tout au bout. Bon bah. Non, c'est pas là, là. Au moins une braise dans le vent, super, j'apprécie. Oh, je kiffe vraiment. Oui, j'ai pas tapé le. L'arbre de trier, je sais, j'en fous. Où est ma. Vie? What the fuck? Parce que pourquoi est-ce que ma mon âme est pas là? Mur de merde. Attendez, c'est quoi ce bug là? Pourquoi est-ce que je trouve plus mon âme? Oh, mon Dieu.
parce que j'ai quand même 5600 âmes sur sur ce truc là, donc non, si ça disparaît comme ça dans le vent juste à cause d'un bug à la con, je vais vraiment être mad quand même. Sinon j'aimerais bien pouvoir apporter une attaque SVP, please. Putain, pourquoi y a pas mon âme? C'est quoi ce bordel? Elle est où? Où est mon âme, putain? Attendez, on est bien d'accord quand même que je suis mort ici. C'est quoi ce délire? Ça l'a ramené au point de spawn du mec ou... Non, a priori. C'est quoi ce délire avec mon âme qui dépop littéralement? Attends, là on a pu se déçu parce qu'on a fait de la merde, mais... Adrien, faudrait pouvoir pas créer comme lien, ça se trouve mon âme est restée en bas. Pour une raison obscure. Ça, c'est la tenue d'Artorias. Mec, je kiffe tellement cette tenue. Alors, par contre, l'épée, dire qu'elle est pas homologuée cette épée, hein. Elle est pas homologuée à Beastwatcher. Mec, si je perds 5000 âmes, je vais vraiment avoir le seum quand même là. Attends, je vais te tuer. De buter histoire de plus avoir de mauvaises surprises. Allez, viens. Ah, il en a encore. Putain, le pixel de HP qui ne se voyait pas. Hein. Les deux demeurés. Bien, on va stop qui part dans le vent, quoi. Bon, j'espère qu'on a mis en bas. Oui, mon âme est en bas. Pour quelle raison est-elle là, je l'ignore. Ok, le truc est reparti, super. Donc, ouais. Alors, on va bientôt en arriver à une heure de VOD, mais je voudrais quand même... Genre pas avoir passé la dernière demi-heure sur, des, sur ces deux fils de pute de chevalier d'en bas. C'est quand même pas intéressant comme VOD. Donc je vais faire un tour vite fait à l'Ichefeu pour level up et mettre un peu plus d'endurance. Et ensuite on va essayer d'aller, d'aller shooter ces deux-là et d'avancer un peu avant de couper la VOD. En espérant pas trop dépasser une heure. Hello jolie demoiselle, est-ce que tu veux bien Merci. Attends, ça m'en manque de d'aussi peu. Putain, c'est dur quand même. Hein. C'est vraiment dur. Ah non, c'est la vigueur. Ah non, la vigueur, c'est la charge équipée. Hein. Ouais. Ah oui, il faut que je monte la foi pour avoir des heals. Quoi. Allez, montons la foi. Ça fait chier, mais montons la foi.
ça me fait penser que j'avais. C'est vrai que c'est le bouton maintenant. Ah, c'est pas mal ça. Et pour augmenter mes fioles, je crois que c'était André. Améliorer, renforcer chez Dessus. Donc ça m'en donne une de plus, quoi. Attends, c'est... Pourquoi j'en ai toujours que 4? D'accord, parce qu'il me... Manu automatiquement, c'est la suivante. Oh mana, très bien. Ah putain non, ça c'est pas celui-là qu'il faut que j'aille. Je suis débile. Nope. Ok. Cette fois, on va passer les deux salopards. Allez, Médor. Tout aussi, on veut te buter pour éviter de plus amples surprises plus tard, comme ce que j'ai eu tout à l'heure. Oh, please. Tu vas t'arrêter un jour? Tiens, pour ta peine. Allez. Easy to take care of. Ouais, il est reparti. Super. C'est bien ce qui m'avait semblé tout à l'heure. Le niveau de détail des textures quand même du jeu est assez impressionnant et pourtant je suis au minimum. Hein. Ça fait plaisir. Putain. Ça c'est des textures minimum, là, je le crois pas. Allez, alors déjà pour commencer, tu dégages. Ok. J'ai complètement raté mon coup. J'ai le voir qui prenait plus d'élan que normalement. Je vais racler qu'une fleur, une fiole du coup. Je devrais pas avoir eu avoir attaqué des fioles à ce stade. Oh please, le lock qui marche pas. J'ai plus de petits trucs pour poule. On va poule à ça. Hey, tu m'as vu là, c'est bon quoi, viens. Please. Du coup toi là, tu viens. Oh,
les coups qui te suivent, quoi, mais c'est vraiment infect, quoi. Non, mais please, le backstab qui passe pas, quoi. Qu'est-ce que c'est infect, ces machins-là? Ok, il me reste deux fioles, un connard. J'ai plus de endurance. Aïe! Putain! Encore une fois, plus de fioles. Putain, c'est incroyable. Ils sont tellement ouf. Alors, j'ai le choix de descendre. Ok. À gauche. Faut y voir par là. Il y a encore des chemins là. Oh là 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 là. Ok, super. Donc c'est le même en bleu. Je suis assez moyennement confiant. Essayer de pas te taper si on peut. Ouais, ok. D'accord, donc en bleu en fait c'est l'éclair. Très bien. Oh! Il m'a OS! Un stop! What the fuck is that? Oh! Ok, bon, en fait, tu sais quoi? Je vais aller manger. Je sais, j'avais dit ça à la fin de la dernière VOD, mais en fait, j'ai enchaîné direct. Donc, je vais aller manger, couper la VOD ici. Je reviendrai avec l'esprit un peu plus clair, parce que là, je commence à avoir vraiment du mal. Et donc je vous dis merci d'avoir visionné très très vite pour la VOD suivante, pour l'épisode suivant tout simplement de ce playthrough. Merci encore d'avoir visionné et à très très vite.